Thank you.
age of Shinobi is over. I can't believe you went this far, Kawaki. I'm going to send you to the same place I sent the 7th Hokage, Boruto. Guess this was the only possible outcome. That's right. The age of Shinobi is over. Even so, I'm still a shinobi! Voilà les gars, on arrive au terme de la vidéo. Donc comme vous l'avez vu, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner dans un fitness park pour la simple et bonne raison qui donne l'accès au public prioritaire. Et moi, étant donné que je suis en STAPS, j'ai pu avoir accès à la salle. Donc j'en ai profité pour faire plus une séance axée sur la force en muscle up avec un 4x4. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que en fait, dès que j'ai accès à une salle, j'en profite pour faire du lesté. Mais c'est pas comme ça que je vais vraiment progresser. Déjà, c'est pas avec une séance de force que je vais gagner en force sur les muscle up anneaux. Donc voilà, j'essaye de m'adapter. Là, je vais essayer de profiter que cette salle soit ouverte pour essayer de faire quelques séances encore là-bas avant peut-être un éventuel confinement. Donc voilà, mais je m'adapte. Dans tous les cas, je suis toujours focus sur cet objectif des 20 muscle up. Je l'avais laissé de côté un petit peu en fin d'année parce que j'avais le barbarian, etc. Ça commence à faire mal en fait ici. Mais en fait, c'est un peu la même chose que j'avais quand j'ai commencé les muscle up sur barre. Au début, c'était difficile, donc je pars du principe que ça va se renforcer. Et puis, plus je vais en faire, plus bah, ça va devenir dur en fait, et plus je pourrai augmenter le volume sur les muscle ups. C'est vraiment ça qui freine quand même pas mal, parce qu'avec une séance, bah, après, tu n'as plus de main. Donc, il faut attendre un petit peu pour pouvoir refaire. Donc, ça nuit un petit peu à la progression. Mais vraiment, ça prendra le temps qu'il faudra. Et puis, voilà, je ne suis pas pressé. C'est qu'à un objectif, j'ai mis aucune deadline. Donc voilà, on va tout faire pour y réussir. Je profite de cette courte conclusion aussi pour remercier donc la marque Nutrimus. Donc c'est une marque de compléments alimentaires. Je vais mettre tout ça en description parce qu'ils m'ont gentiment livré donc des compléments. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi après. Bien que je suis pas du tout un grand consommateur de compléments alimentaires, de 1 parce que je suis un petit gabarit, je fais que 63-64 kilos. Donc l'alimentation solide me convient déjà entièrement. De plus, je considère qu'il y a beaucoup de choses à exploiter dans la nutrition solide. Après, on est bien d'accord, comme son nom l'indique, c'est un complément. Donc ça peut être aussi un gain de temps en fonction de ce que vous faites comme activité, etc. dans votre vie. Ça peut être intéressant. Ça peut remplacer des petits encas en fonction de vos protéines, etc. Après, je vous assure, moi, j'ai pas pris de protéines parce que bah, j'ai déjà assez avec mon alimentation. J'ai pas besoin de me surdoser par rapport à ça. Moi, j'ai juste fait le choix de leur demander tout ce qui touche de près ou de loin à la micronutrition. Donc, ça passe par les minéraux, les vitamines. Et aussi, je leur ai demandé bah, de la bouffe, hein, tout simplement, des glucides. Donc, j'ai pris de la farine de patate douce. J'ai toujours voulu tester. Je suis en train de voir comment faire une bonne recette agréable. Et j'ai pris aussi des flocons de sarrasin parce que bah, je suis un petit breton, donc ça change des flocons d'avoine. Et franchement, ça va, c'est pas dégueu. Ça a beaucoup plus de goût que les flocons d'avoine, bien que moi, j'adore, enfin, j'aime bien les flocons d'avoine. Mais voilà, je voulais tester. Donc bah voilà, si ça vous intéresse, je mettrai tous les liens en description. C'est vraiment une marque que j'apprécie pour sa qualité. Elle est renommée pour ça. Après, je m'avance pas parce que je viens juste de commencer. Donc ça se trouve, ça m'ira pas. Mais c'est aussi pour vous donner un petit retour d'expérience, que je sais que ça intéresse quand même pas mal de monde, tout ce qui est complément alimentaire. Voilà, moi je suis pas le plus grand des consommateurs. Je préfère manger vraiment des choses solides. Des fruits, des légumes. Après, bien entendu, de nos jours, bah, les légumes et les fruits n'ont plus autant de nutriments qu'il y a quelques années. Donc, ça peut toujours être bien de se complémenter en minéraux et vitamines. J'ai aussi pris du magnésium.
Ça, c'est aussi intéressant, bien que je mange pas mal de chocolat noir. Donc voilà, c'est juste un petit test. Je vais vous montrer tout ça et puis on se quitte là-dessus. Voilà les gars, j'espère qu'on me voit toujours. Donc voilà, il y a les nouvelles étiquettes. Là, du coup, ça, c'est Oméga 3. Je vous laisserai aller voir sur le site tout le descriptif qu'ils ont fait parce que voilà, sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Mais du coup, Oméga 3, ici, créatine. Ça, c'est multivitamine, du coup, comme je vous ai dit, magnésium et minéraux. Ok, multiminéral, comme ils expliquent. Donc voilà, ça, c'est tout ça, c'est plus micronutrition, on va dire. Ça, c'est plus un complément à part entière. Je vous laisserai voir aussi. Je testerai. C'est juste plus pour une phase expérimentale pour voir si je ressens une vraie différence. Mais après, je sais très bien que rien ne remplacera le bon entraînement, mais ça peut aider. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner un petit peu mon avis. Et les deux gros bébés, donc ça, ça m'intéresse. Des flocons d'avoine de sarrasin, 7 kilos. Donc ça, j'en ai pour très très longtemps. Et puis en plus, je peux me lester avec. Donc ça, c'est très bien parce que comme j'ai pas de pot avec moi, ça peut être très bien. Alors je rigole. Et là, du coup, la farine de patate douce, donc 6 kilos aussi. Donc deux bons gros bébés avant que je finisse tout ça. Il y a du temps. Donc voilà, je voulais juste vous en parler parce que bah, ils m'ont envoyé ça, c'est très gentil de leur part. Et puis si ça vous intéresse, je mets tous les liens en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.